Ah, il est dans le chou. Il y a un truc que j'ai fait en demi-garde là à la fin, c'est un truc que j'ai vu Thailand faire contre Isaac et je trouve ça super fort parce que vraiment ceux qui sont forts en demi-garde ils sont bloqués tout d'un coup. J'ai posé ça et je vais essayer de vous montrer ce qui s'est passé. À la fin du roll là contre le ceinture marron, je me suis retrouvé dans cette position là et il avait l'esgrima sous mon aisselle là, enfin il avait du moins la main sous mon aisselle. Là il pouvait commencer à travailler pour se mettre sur son côté droit et essayer de là commencer à travailler mon dos ou commencer à avoir des single legs. Tourne-toi la tête de la caméra. Et là, il pouvait avoir des single legs. Je prends un single leg. Et essayer de remonter comme ça sur ma jambe. Et le compte que Thailand faisait contre Isaac, quand il a combattu, c'était un super fight organisé. C'était quand l'autre va chercher l'esgrima. Généralement, quand on est dans ce type de bataille-là, d'esgrima, celui qui a l'esgrima a un avantage. Ben, Thailand, ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu de garder sa main à l'extérieur, il revenait mettre sa main à l'intérieur. C'est-à-dire que là, Henrik n'a pas du tout l'esgrima et c'est pas possible pour lui de se mettre sur son côté droit et essayer de sortir de cette position-là. Donc le but c'est de rester dans cette position-là, temporiser un peu jusqu'à ce que l'autre il voit que c'est mort et il retire sa main. Ou alors commencer à travailler, mais à travailler en mettant la pression sur le haut du corps de l'adversaire pour pas que là il vienne gagner l'esgrima. S'il vient chercher l'esgrima, là je peux me battre contre sa main. Alors que si je suis ici, je peux pas me battre contre sa main, là il peut gagner l'esgrima, il peut prendre mon dos, il peut prendre la single, il peut se remettre debout. Donc voilà, petit détail important, si jamais vous arrivez dans cette position là, si l'autre a les esgrima dessous, la main ici, entre ses jambes. Entre ses jambes ou alors de l'autre côté carrément, de ses deux jambes. Dans l'épisode 1, on avait parlé de la séance sur les épaules, les pecs et les triceps. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième séance de muscles que je fais, une séance jambes avec une dominante sur la partie antérieure avec les quadriceps. Et avant même de devoir vous expliquer l'entraînement que je fais, je vais vous dire pourquoi c'est bien d'entraîner les jambes. Parce que j'entends trop souvent les gens dire que c'est pas nécessaire. Non mais Alex, je comprends pas, j'ai pas envie de prendre trop de muscles et de perdre en mobilité. Écoute-moi mon copain, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'essaye de prendre trop de muscles et j'y arrive toujours pas. Et la mobilité c'est comme tout, ou alors les gens ils naissent et ils sont naturellement super flexibles avec beaucoup de mobilité. Dans quel cas, s'ils font de la muscu et ils s'en disent, ils vont devoir faire des étirements. Et sinon,
ça c'est la majorité des cas, on n'est pas mobile de naissance et il va falloir faire des étirements quoi qu'il en soit. Dans les deux cas, il suffit juste de faire des étirements. Même, est-ce que vous êtes déjà mis à la place d'un garde-héros qui essaye de vous renverser et qui voit que là il tire et il pousse et ça bouge pas du tout. Le gars en face, stable, comme une montagne. Et ben moi je veux être comme ce gars-là, un mur. En plus quand on est passeur, c'est la base même, puisque avant de passer une garde, il faut 1. Ne pas être finalisé, 2. Ne pas être sweepé. Et pour pas être sweepé, il faut avoir une bonne base. Et pour avoir une bonne base, il faut avoir de bonnes jambes. C'est parti, voyons ce que je fais pour la deuxième session de la semaine. En premier exercice, je fais du squat lourd en 5x5 ramping. À propos de l'exécution, dans les bons jours, je fais du rest and pause. Sinon, j'enchaîne juste les répétitions jusqu'à finir la série. Et j'essaye de limiter le plus possible la pause en bas du mouvement. Alors, le squat, c'est un exercice qui est super difficile et qui est super taxant physiquement. Mais c'est parce qu'on travaille énormément de muscles et en plus de façon différente. On va bosser les quadriceps, les fessiers, les adducteurs en fonction de l'ouverture de nos jambes, on va bosser les lombaires, on va bosser les abdos et tout un paquet d'autres muscles. Au squat généralement je monte les charges progressivement et je vais donner ma vie sur la dernière série. Et cet exercice est un exercice très utile quand on est debout et qu'on essaye de passer des gardes, et même quand on essaye de défendre les déséquilibres que le garde-héros essaye de faire. Vous allez être capable d'avoir une base solide et vous allez être capable aussi de gainer votre corps pour résister à tous les déséquilibres. Parce que je le rappelle, si vous gainez pas votre corps au squat, vous faites juste écraser par la barre. Après, on passe à l'exo 2 et 3, split squat et mollet debout. Là, j'envoie 4 séries de 8 à 10 répétitions aux deux exercices et tout ça en superset. Ici, le but, c'est de continuer à stimuler les quadriceps et les fessiers. Et pour les mollets, c'est un peu anecdotique. C'est un peu anecdotique, mais ils ont quand même leur place dans l'entraînement et je vous explique pourquoi. Le split squat, ça va être directement transposable sur l'état parce que ça va simuler les moments où à chaque fois vous avez un genou debout et un genou au sol et que vous voulez vous relever. Donc très utile à chaque fois qu'on veut passer la garde ou qu'on essaye de faire des takedown en single leg et double leg. Pour les mollets, comme pour les pecs dans la première vidéo, c'est pas un exercice qui est essentiel, mais ça va nous permettre de pas avoir de maillon faible dans la chaîne. Attention, j'ai pas dit que j'avais les mollets forts, j'ai juste dit qu'on va limiter les points faibles. Exercice 4, leg extension unilatérale. Cet exercice, c'est le dernier pour les quadriceps. Je fais 4 séries de 8 à 10 reps et je le fais en unilatéral pour économiser du temps. Travailler l'extension du genou comme ça, ça va être utile à chaque fois qu'on veut déséquilibrer en utilisant un pied dans le biceps, ou alors qu'on utilise des gardes comme la de la Riva ou la Single X et qu'on se retrouve avec un crochet sous les fesses de l'adversaire. Next, exercice 5 et 6, leg abduction et leg adduction. Donc c'est le dernier superset de la session et je fais 4 séries de 10 à 12 reps. Travailler les adducteurs, c'est super important parce qu'ils vont être sollicités à chaque fois que vous allez vouloir serrer les genoux, que ce soit au-dessus en passant ou alors en dessous quand on joue la garde, et encore plus quand on se retrouve dans des positions fortes comme le dos ou la montée. Et ça sans même compter les finalisations, parce que je sais pas s'il existe des finalisations qui sont plus efficaces si on a les genoux ouverts plutôt que fermés. Ensuite pour les abducteurs, ça va être surtout les fessiers. Ça va être surtout utile quand on joue la garde, surtout pour la défendre. Lorsqu'on a un lasso et qu'on souhaite déséquilibrer du sens du lasso, il va falloir ouvrir le genou et du coup utiliser les abducteurs, du coup utiliser les fessiers. Quand on est en demi-garde et qu'on joue un knee shield, pour avoir un knee shield fort, il faut garder le genou ouvert, et pour garder le genou ouvert, il faut utiliser les abducteurs et du coup il faut utiliser les fessiers. Donc c'est pour ça qu'avoir des abducteurs forts, c'est tout aussi important que d'avoir des adducteurs forts. Et c'est comme ça que se termine la première séance jambes de la semaine. Encore une fois, c'est ma séance jambes à moi. Elle ne convient peut-être pas à tout le monde, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion sur comment vous créer votre propre routine d'entraînement. Tous les exercices que j'ai cités dans cette vidéo sont transposables directement sur le tatami, à l'exception des mollets, où là, c'est entre guillemets optionnel. Ensuite, sous la dernière vidéo de préparation physique, j'ai reçu un commentaire qui disait en gros comment s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps sur le côté. Ça peut être dû au travail ou de la vie de famille, etc. Et je trouve le sujet très intéressant. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est si on peut que faire du jiu-jitsu, bah il faut faire que du jiu-jitsu. Si on peut rajouter 2 séances de muscu en plus, c'est génial. 3, encore mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est une leçon de vie que mon coach Paquito m'a donné un jour. Et il m'a dit, un champion arrive à donner son meilleur avec ce qu'il a. Et dans la vie, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est sur cette note philosophique que se termine cette vidéo. Retrouvez tous les codes promo de nos sponsors en description de cette vidéo. Et mettez-vous bien avec Prozis, Ground Force et TevLab. N'oubliez pas, Fingerlock, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Venez nous suivre sur les différents réseaux sociaux @metajb et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Oust.